Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau format de vidéo dans lequel je vais vous présenter des chaînes YouTube grâce auxquelles vous allez pouvoir étudier le français mais surtout améliorer votre compréhension orale. Le niveau des chaînes proposées varie du niveau B1 à C2. Je vous indiquerai à chaque fois le niveau approximatif nécessaire à la bonne compréhension des vidéos. Mais tout d'abord, avant de commencer à étudier avec YouTube, je vous conseille fortement d'installer cette extension Google Chrome qui s'appelle Language Reactor ou une autre de même type. C'est gratuit. Je l'utilise personnellement pour les vidéos en anglais ou en japonais. Elle vous permettra, comme vous le voyez sur mon écran, de traduire automatiquement la vidéo dans différentes langues ou tout simplement d'avoir les sous-titres français. Vous pouvez passer votre curseur sur les mots pour en avoir leur traduction. Vous pouvez également enregistrer des mots et des traductions. Pour l'avoir testé un grand nombre de fois, le texte et la traduction qui sont proposés sont plutôt exacts. Ce sera d'une grande aide pour votre compréhension orale. Alors, revenons à nos chaînes YouTube. Dans cette première vidéo, je vais vous présenter trois chaînes d'actualité. Et notre première chaîne s'appelle Hugo Décrypte. C'est une chaîne que je regarde moi-même tous les jours pour suivre l'actualité française et internationale. Chaque jour, vous y trouverez une nouvelle vidéo de 10 minutes résumant les actualités du jour. Bien évidemment, comme beaucoup de YouTubeurs, notre présentateur Hugo parle très vite. Et les sujets ne sont pas toujours simples. C'est pourquoi je conseille cette chaîne à des niveaux C1, C2. Ma seconde recommandation du jour est une chaîne bien connue qui s'appelle Brut. Cette chaîne propose des vidéos d'actualité ou de sujets divers. Ce sont des vidéos en général assez courtes, de 3 à 4 minutes, mais ils ont également des documentaires de 10 à 15 minutes. Ce qui est sympa avec Brut, c'est que beaucoup de vidéos sont accompagnées de textes. Bien évidemment, c'est très rapide, mais vous pouvez mettre pause et lire tranquillement le texte, ce qui vous permettra à la fois d'améliorer votre compréhension orale et votre compréhension écrite. C'est pas génial ça? Je recommande cette chaîne à partir du niveau B1, B2. Et on termine avec ma troisième proposition du jour, qui est la chaîne Tarmac. Tarmac, c'est l'un de mes coups de cœur, j'adore. Je ne rate quasiment aucune de leurs vidéos au format court. C'est une chaîne belge, donc les présentatrices ont parfois un léger accent. J'insiste sur léger. Et elles utilisent également des nombres différents qu'en France, comme par exemple 70 en France et 70 en Belgique. Cette chaîne parle de sujets divers, souvent liés à l'actualité. Attention, c'est rapide, même très rapide. Les termes utilisés sont parfois complexes, car les présentatrices poussent dans beaucoup de détails et de termes parfois techniques. De temps en temps, au contraire, elles vont utiliser des mots plutôt familiers ou des expressions actuelles qui peuvent être complexes à trouver dans un dictionnaire. Dans ce cas, Google est votre plus fidèle allié. Je recommande donc cette chaîne au niveau plutôt C1, C2. Voilà, c'est terminé pour cette première vidéo de recommandation de chaîne YouTube pour ceux qui étudient le français. Vous retrouverez les liens en description de la vidéo. Et si vous souhaitez donner votre avis sur ces chaînes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.